Bonjour, je suis Gilbert Daoued des Avatar Edition pour un nouveau Café Noir. Cette semaine, en plus du coup de gueule de Nicolas Bonnal, nous lançons sur notre chaîne YouTube Schwartz Voix Noire, l'émission de Modeste Schwartz. Si vous voulez suivre nos émissions en italien, vous pouvez activer la fonction de traduction offerte par YouTube. Ce soir, nous avons intitulé cette émission de Café Noir Pologne et Royaume-Uni. Guerre à l'Europe. Nous avons brièvement adressé ce sujet dans le dernier coup de gueule de Nicolas Bonnal. Bonnal et la dictature universelle. Et nous lui avons dédié deux podcasts en italien pour Radio Cultura Europa. Les trois sont disponibles ici sur notre chaîne YouTube. Le 10 novembre 2021, au début de la soi-disant crise des migrants, nous étions parmi les premiers, sinon les premiers en Italie, à émettre l'hypothèse qu'il s'agissait d'une manœuvre atlanto-polonaise contre l'Europe et pour empêcher une éventuelle énième tentative d'un axe Paris-Berlin-Moscou. La Pologne avait et a sans doute de nombreuses raisons, même très valables, la primauté de la loi polonaise sur la loi européenne, la loi sur l'avortement et Frontex, par exemple, qui l'oppose à la Commission de Bruxelles. Nous avons désormais décidé d'utiliser ce terme pour définir l'Union européenne, qui n'est certainement pas l'Europe empire de Galway à Vladivostok que nous préconisons. Mais cela ne peut pas cacher la politique atlantiste de ce gouvernement polonais et que les faits depuis notre première émission italienne nous ont globalement donné raison. En résumé, en quelques heures, tous les médias des pays de la Commission de Bruxelles ont adopté la même version des faits, qui est la suivante. La Biélorussie, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, avec le consentement de la Russie, ont transporté et abandonné 14 000 migrants kurdes à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Les six pays, entre guillemets bien entendu, dictatoriaux, cités si haut, auraient commis un acte de guerre hybride contre la Commission de Bruxelles pour se venger des sanctions et des diverses autres pressions exercées par l'Occident à leur encontre. La Commission et le commandement de l'OTAN ont déclaré que la destruction par la Russie d'un de ses satellites à l'aide d'un missile et une provocation qui a également mis en danger l'équipage de la Station spatiale internationale. En pleine crise, tout juste annoncée, le souverainiste brexitaire Boris Johnson, comme par hasard, signe un accord d'aide avec la Pologne et envoie en soutien 10 de ses soldats à la frontière polonaise. Au moins 10 migrants seraient déjà morts de froid et l'armée biélorusse empêcherait les autres de rebrousser chemin. Et tout le monde en Occident, avec comme d'habitude au premier rang la droite patriote, a dénoncé cet acte de guerre inhumain du dictateur Loukachenko. Droite patriote qui, je rappelle, dans les moments critiques de la guerre du Vietnam à celle d'Afghanistan, d'Irak, de Libye et de Syrie, et j'en passe, a en fait toujours soutenu et justifié, pour une raison ou une autre, par anticommunisme ou anti-islamisme, les Yankees et leurs vassaux de la Commission. Elle dit par exemple le Viet Cong et les Talibans, véritable expression de la lutte de peuple, à des communistes et des islamistes, et oublie ceux qui sont vraiment, des hommes et des femmes qui luttent pour la liberté de leur peuple. Il n'a pas fallu beaucoup pour que cette mouvance tombe dans le piège des MDN, les migrants de destruction nationale, qui ont remplacé les ADM, armes de destruction massive. Comme dans la corrida, où un chiffon rouge suffit à aveugler le taureau, dans ce cas, il aura suffi un « Au secours les migrants !» Au secours des migrants, pour que tous se mettent à crier « Vive la Pologne libre !» À mort les migrants et à mort les dictateurs. Même les supporters occidentaux du PFC, le Poutine Fan Club, qui comme tous les supporters généralement n'acceptent aucune critique, même constructive, de leur équipe favorite, ont eu un moment de flottement. Quant aux migrants, revenons aux faits, mais n'oubliez pas de vous munir d'une carte de la région. Tout d'abord, sur les flux migratoires de cette région. Les flux migratoires illégaux en provenance du Proche et du Moyen-Orient empruntent depuis des années ces passages. Les flux maritimes passent par la Grèce, en particulier de l'île de Lesbos. Les autres, selon la situation locale, passent par la Hongrie, l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Ce sont en fait les mêmes routes empruntées avec l'approbation et la corruption des autorités nationales et ou locales par les mafias locales et internationales pour le trafic de drogue, d'armes et de prostitution. Les migrants en question souhaitent très certainement se rendre en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe du Nord.
le patronat allemand veut et milite activement pour une main-d'œuvre qualifiée à bon marché. Il existe une forte communauté immigrée biélorusse dans les pays d'Europe du Nord, donc au minimum la frontière entre ce pays et la Pologne est très poreuse. Les Polonais au Royaume-Uni et dans la République d'Irlande sont de loin la communauté immigrée la plus importante, provenant des pays de l'Est et disposent désormais de ses propres journaux, radios et écoles. Dans ces deux pays, plombier est presque devenu synonyme avec polonais. La migration des peuples du Proche et Moyen-Orient est la conséquence directe des guerres occidentales et sionistes qui ont déstabilisé la région. Avant ces guerres, en dehors de l'immigration politique kurde en Allemagne, ce phénomène était pratiquement inconnu. La majorité des migrants et ou réfugiés du Proche et Moyen-Orient restent dans les pays de la région. Un exemple pour tous, le Liban, qui avec une population de près de 7 millions d'habitants, accueille 1,5 million de Syriens. La majorité des migrants entrent légalement en Europe par les aéroports et les ports. C'est donc toute la politique migratoire de la Commission de Bruxelles qui devrait être totalement revue. Quant à la crise objectivement fomentée par la Pologne elle-même avec d'autres puissances atlantistes, il semble non seulement peu probable, mais aussi fantaisiste que la Biélorussie, l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Russie et la Turquie, aux intérêts géopolitiques pour le moins divergents, se soient alliés pour fomenter cette crise migratoire. Une note pour nos politiciens et journalistes de salon, qu'ils le veuillent ou non, au moins 5 de ces 6 pays sont des démocraties à part entière et ne sont donc pas des dictatures comme ils continuent de le prétendre. Les migrants sont arrivés en Biélorussie via des vols commerciaux réguliers. Entre autres, les autorités des Émirats arabes unis ont annoncé qu'elles interdiraient désormais aux Kurdes d'embarquer vers la Biélorussie et l'Irak a accepté d'organiser le retour de quelques centaines de ses ressortissants. Il est pour le moins schizophrénique que la Commission accepte, même si à demi-mot, que la Pologne puisse refuser l'entrée aux migrants sur son territoire, mais que la Biélorussie ne puisse faire de même. Un cas atypique de « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Les 10 soldats britanniques étaient déjà en Pologne avant que le gouvernement ne décide de bloquer la frontière avec son voisin. Ils font partie du contingent britannique qui participe depuis des semaines aux World Games avec l'armée polonaise. Le Royaume-Uni a acté le Brexit, mais n'a jamais quitté l'OTAN et son commandement militaire. Entre autres, l'armée britannique est toujours présente dans les Balkans et participe aux différentes opérations de, entre guillemets, maintien de paix de l'OTAN et des Nations Unies. La destruction par la Russie de son satellite n'est pas une provocation comme l'ont déclaré la Commission et l'OTAN. Cet exercice militaire avec date et heure avait été officiellement annoncé de longue date par la Russie. Et pour rappel, un Russe fait partie de l'équipage de la Station spatiale internationale. L'OTAN, avec l'aviation roumaine et bulgare, et avec le soutien des USA, mène depuis plusieurs semaines en mer Noire les War Games nommés Castle Forge. Ce lundi 21 novembre, les War Games annuels de l'OTAN, appelés Bouclier d'hiver Baltique 2021, ont commencé en Lettonie et impliqueront également la Lituanie et l'Estonie. La situation dans le Donbass, avec désormais des provocations quotidiennes, est critique et pourrait impliquer la Russie dans un conflit militaire avec l'Ukraine. Comme on peut le voir, les provocations et le danger ne viennent pas forcément ou seulement de la partie indiquée par les médias. Ainsi, la Pologne, avec l'aide de finalement 100 soldats britanniques, va construire son mur anti-migrants. Un mur qui, pour nous, ressemble plus à une barrière pour bloquer l'expansion naturelle à l'est du bloc continental européen. Alors que la Commission de Bruxelles nie toujours aux pays méditerranéens de l'Europe le droit de bloquer sérieusement les flux migratoires clandestins. Le plus surprenant, c'est la facilité avec laquelle la version occidentale est devenue le verbe officiel pour tous et qu'il n'y a eu personne qui ait au moins demandé un de ces fameux fact-checking. Bref, où sont les charters, les morts, etc. Malgré les crises précédentes, les guerres et les mensonges, en réalité, l'histoire n'enseigne rien. Nous ne pouvons pas conclure cette émission sans mentionner le drame du 25 novembre 2021. 27 clandestins se sont noyés en essayant de traverser la Manche. Soudainement, en France, on redécouvre les camps et les passeurs. Ici, il faut comprendre les associations et autres ONG de soi-disant entraide. À nouveau, les deux poids, deux mesures. Ce qui est condamnable en Biélorussie ne l'est pas pour un pays, dans ce cas la France, de la Commission. Et on apprend qu'il y a 700 000 clandestins selon le ministère de l'Intérieur en France, une ville pratiquement, qui sillonne et vit en toute impunité dans l'Hexagone, provenant d'autres pays de la Commission.
que la France se fait payer par le Royaume-Uni pour gérer le flux humain à Calais. Personne ne s'en offusque. Alors donc, pourquoi Erdogan ne peut pas faire de même avec la Commission de Bruxelles pour gérer sur son territoire une crise due aux guerres soi-disant humanitaires de l'Occident contre les pays de la région? Que 25 à 30 000 clandestins essayent de traverser la Manche tous les ans. N'en déplaise à nos patriotes de droite, le Royaume-Uni est plus attractif que la France. Que la police observe ces tentatives de traversée clandestine sans bouger, pour éviter, paraît-il, de blesser femmes et enfants. Des photos ont été publiées par la presse anglaise. La Commission organise à Calais une réunion sur ce sujet et n'invite pas le principal intéressé, sans lequel aucune solution satisfaisante ne peut être trouvée. Madame Priti Patel, la Home Secretary, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur britannique, étant persona non grata, suite à la lettre ouverte de Boris Johnson à Emmanuel Macron. Je vous conseille de lire vous-même en version originale et in extenso cette lettre de 3 pages pour juger de son contenu. Ne faites pas confiance aux commentaires des journalistes. Dans cette lettre, Boris, qui avec le dossier pêche et la Pologne, donne une énième claque à Emmanuel, propose un accord bilatéral entre la France et le Royaume-Uni. Il insiste aussi sur la nécessité de patrouilles, même conjointes, dans les eaux territoriaux respectifs. Il ne manquait plus de sa part qu'une offre de nation building. La lettre est disponible sur le compte officiel du Premier ministre Boris Johnson sur Twitter ou ici sur le forum de notre chaîne. Cliquez sur l'onglet « Communauté ». On se demande pourquoi les pays de la Commission de Bruxelles n'appliquent pas les lois existantes. Dans ce cas, reconduite immédiate aux frontières des clandestins. Et pourquoi? Pour couper l'herbe sous les pieds des profiteurs, comprendre associations, ONG et patronats, ils n'introduisent pas une carte bleue commune, carte qui serait un passeport pour les immigrés, plus ou moins calquée sur la green card américaine, qui nécessiterait pour l'obtention dans les pays d'origine une offre d'emploi ou une inscription à un établissement d'études et un examen de langue. Mais c'est aussi vrai que le nouveau gouvernement allemand, sous la pression du patronat, veut doubler sur les 10 prochaines années le nombre d'immigrés qui rentrent dans le pays. In fine, la formation de ce nouveau gouvernement semble compliquer les choses pour Macron, qui assumera à partir du 1er janvier 2022 la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. La nouvelle ministre des Affaires étrangères allemande, le chef des Verts, Annalena Baerbock, est viscéralement anti-Poutine et pro-atlantiste. Cette nomination pourrait impacter Nord Stream 2, la crise polonaise et celle du Donbass. Elle pourrait aussi expliquer en partie la signature ce 26 novembre du traité du Quirinal, le nouveau traité bilatéral d'amitié et de coopération entre la France et l'Italie. Des affaires à suivre. C'est la fin de cette émission de Café Noir. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou Odyssée, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez des sujets traités. Merci à tous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Café Noir.